Salut à tous et à toutes, bonjour, bonjour la grande famille de l'émission FAF. Aujourd'hui c'est exceptionnel, voilà, on fait cette émission aujourd'hui dans les locaux de la radio avec celui-là même qui est mon binôme d'aujourd'hui, monsieur Marcelin Adissoni, voilà, avec qui aujourd'hui je vais faire l'émission FAF parce que c'est un des prêtres du Zouglou. C'est-à-dire ce monsieur, il respire Zouglou, il pense Zouglou, il dort Zouglou, il mange Zouglou. Donc fallait que, parce qu'il dit qu'il faut que soit là pour défendre ses artistes parce que là, je vais poser trop des questions bizarres à ses artistes. Voilà pourquoi il est venu suivre aujourd'hui. Alors, comment ça va, mon frère? Oui, ça va très bien. Et toi, ça va? Ouais, mon cher, on est là, mon frère. On est avec, mesdames et messieurs, on est avec un groupe qui a fait mal dans le temps et qui continue de faire mal encore car il a sorti un nouveau titre qui crée la polémique. C'est-à-dire que certaines personnes disent que oui, le titre n'était pas chic, c'est une personne qui a fait que ça a pris. Bon, tout ça là, on va leur poser les questions quand même. Ils sont là, ils vont répondre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis avec Léo sans passant et Prince sans passant. C'est pas mal, les gars. La faux, la musique. Ah, c'est pas mal, voilà. Alors, les gars, où vous étiez passé depuis tout ce temps? Parce que vous avez sorti un album qui a vraiment marché, là où il y avait. Adamanator, alors Adabou et tout ça. Voilà, après ça, on vous a plus vu, vous avez disparu, vous étiez où depuis? On était simplement dans le bois sacré en train de retravailler toujours. Voilà. Parce que le Zouglou, il ne faut pas regarder parce que les autres sont en train de sortir, que ça marche et puis tu vas faire un truc et puis ça a cartonné un mois, deux mois et puis on ne parle plus du temps. Donc on est rentré dans le bois sacré en train de travailler. Au moins un tube qui peut faire au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. D'accord, mais c'est quoi cette stratégie de Zouglou? Parce que j'ai l'impression que la plupart des groupes Zouglou, des artistes Zouglou, c'est comme ça qu'ils bossent en fait. C'est-à-dire qu'ils sortent un album, ils se concentrent 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils mangent bien l'argent de l'album et puis après ils sortent un autre album. Est-ce que c'est fait exprès ou c'est parce que vous travaillez d'une manière spéciale, on ne comprend pas? Essayez un peu de nous expliquer. Il faut dire simplement, faut pas. C'est ça, je viens à peine de dire, il ne faut pas sortir un album pour sortir un album. Parce que aujourd'hui, là, sur le marché, il y a plus d'amusement, hein, c'est pas comme avant. Donc le Zouglou de maintenant, l'entend normal. Toi-même, là, quand tu rentres en studio, tu dois être content d'abord, avant que le mélomane que tu vas écouter ne soit content. Donc quand tu fais un travail propre, c'est sûr que tu t'assois pour recueillir ce qui doit tomber, puis tu te boules les pouches, quoi, puis ça réussit. Alors, une petite question. Le groupe Sans Façon, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, essayer de nous détailler comment est-ce que vous avez commencé ensemble? Parce que vous n'avez jamais fait l'émission FAFA. Donc, il faut que vous expliquiez un peu comment votre groupe a commencé jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi la genèse de Sans Façon? Léo, vas-y, il faut parler, tu n'as pas envie de parler. Tout à l'heure, tu as dit. On était passé où peut-être qu'on est, notre cas a été bloqué à Dabou. Bon, faut dire que le groupe Sans Façon, voilà, à la base c'est un groupe Oyo. Voilà, c'était le nom du groupe Oyo. On était 9 et parmi ces 9, il y avait plusieurs groupes, dont Prince et Léo. Voilà, Prince et Léo, on s'est croisés à la base, on vient de Kouet, le quartier Kouet de Yopougon. Voilà. Voilà. Et donc, c'est comme ça. On était tous deux habitants du quartier. On a passé plus de 2 ans, on ne se côtoyait pas. Voilà. Et comme ça, un jour, c'est parti quelque part au bord de la lagune. Voilà, on s'est croisés là-bas de temps en temps. Chacun partait prendre ses inspirations. Et puis un jour, voilà, par la grâce de Dieu, on s'est approché l'un de l'autre. Voilà, mais lui il avait déjà son petit bonhomme de chemin, on l'appelait Aoul Gazé. Voilà, moi ouais, je venais tout droit de cité universitaire, donc j'étais bleu, mais j'avais ma petite idée du Zouglou, parce que moi je viens de Daloa. Voilà. Ah bah c'est le Tourou. Voilà. Ça c'est l'essence même du Zouglou. Voilà, il y avait les Gazé à Daloa, hein. On peut citer les Lino Parker. De citer plein d'autres. Voilà, on a fait le voyeur là-bas. Donc, quand on s'est croisé, voilà, c'est moi, j'ai engagé les discussions pour dire que, voilà, j'ai comme impression qu'on peut faire quelque chose ensemble. Voilà, il m'a demandé, ouais, ben, montre-moi de quoi tu es capable. Ah, déjà. Voilà,
Ben, non, on est au bord. Il y a trop d'intérêt, donc il faut qu'il teste avant de chanter à toi. Quoi. Oui, oui. Ah. Donc, voilà, il a apprécié. Et c'est comme ça, paf, c'est parti. Voilà. Sans... Comme si on se connaissait avant. Ouais. Voilà, c'est parti comme ça. Ah, d'accord. Alors, la carrière démarre et tout ça. Vous êtes à combien d'albums aujourd'hui? Fait deux. D'accord, donc ça veut dire que le titre actuellement qui fait mal, c'est le titre d'un album en fait. C'est pas un single que vous avez lancé, c'est un album en fait, c'est ça. C'est un album de 16 titres. D'accord. Ouais. Ok, mais ça là. Avant de revenir sur l'album en question là, sur le premier album, il y avait Adam Nathan. Allons à Dabou. On a entendu dire que vous avez eu des problèmes avec les handicapés de Côte d'Ivoire, le président même de l'association des handicapés. Non, lui au moins il a mieux écouté la chanson. Mm-hmm. On est même parti en justice. Hein. Lui au moins il a écouté la chanson. Il a dit depuis qu'on est comme ça, on nous a jamais rendu hommage. Avant de vous plaindre, écoutez bien les chansons des gens et avant de vous plaindre. Parce que les digués, quand la partie là passe là, eux ils coupent la chanson maintenant. Dès qu'on dit allons, tu penses que je ne sais pas là. Après ça là, ils coupent. Oh, il y a un message derrière. Un message. Donc eux n'écoutaient pas ça. De naissance par accident ou par cause de maladie. Aujourd'hui, on t'appelle handicapé. Frère et sœur, vis ta vie, ne sois pas complexé. À partir de là, les digues ne laissaient pas passer ça. Donc, les gens n'attendaient pas ça. Vous êtes parti en justice, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, arrivé là-bas, ils ont mis la chanson, ils ont bien écouté, et puis ils ont vu maintenant qu'on ne chantait pas ça pour se moquer. On est même allé à Nimrekro, derrière là-bas. On allait jouer là-bas. Il y a une petite là, elle a mal aux pieds. Donc, quand elle sort, les enfants sont derrière elle. Adama Nato. Donc, elle ne partait plus à l'école. Donc, le jour qu'on est parti jouer dans la ville, on était à la radio. Elle nous a trouvé à la radio, mais elles ne sont pas. Elle dit, mais on vous a fait quoi? À quoi de vous, je ne peux pas partir à l'école? Hein? Vous avez tout cherché chanson jusqu'à c'est ça là, vous avez trouvé pour chanter. Elle dit, mais nous, on ne t'a pas parlé mal. Donc, le soir là, où on doit jouer là, viens, tu serais là, puis on va chanter la chanson. Tu vas voir si on t'a parlé mal ou pas. Ce jour-là, elle a été décomplexée. Elle est venue avec son papa. Elle-même, là, à la fin, elle a dansé. Elle a compris maintenant, et puis elle a dansé. C'était comme ça. D'accord. Donc, ça veut dire que, ça, en fait, c'est vrai, parce que ça avait créé la polémique dans le temps. On a dit, oui, les gars des Zouglou, là, ils prennent tout pour s'amuser, ils prennent tout pour... En réalité, moi-même, j'étais DJ à l'époque. Voilà, je dois reconnaître que, parce que vous savez, quand un DJ joue la musique, c'est les mix qu'il fait. Pendant les mix, on ne laisse pas les morceaux finis, en fait. On joue Ce qui est plus intéressant. Voilà, donc les DJ n'avaient pas peut-être pour, comment on peut dire ça, ils n'avaient pas pour intention, pour l'objectif de nuire, en fait. Voilà, mais voilà, si ces personnes-là faisaient l'effort de beaucoup écouter, parce qu'à la radio, les chansons finissent. Voilà, à la radio, les chansons finissent et tout ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est passé. Mais aujourd'hui, je profite en même temps pour l'antenne, je profite de cette antenne pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent de respecter tous les gestes barrières édictés par le ministère de la Santé. Nous sommes dans une période très délicate du coronavirus et on a besoin que tous les enfants de la Côte d'Ivoire soient en très bonne santé. Donc il faut respecter les mesures barrières, il faut tousser dans le plus du coup, il faut tenir dans le plus du coup, il faut régulièrement se laver les mains, un mètre de distance, voilà. Tout ça c'est important. Voilà, alors les gars, aujourd'hui vous vous définissez, parce que au niveau du Zouglou, je sens qu'il y a une petite guéguerre dans le Zouglou. C'est-à-dire, il y a certains qui se définissent de la nouvelle génération. Et on dit nouvelle génération, on dit ancienne génération. Et les gens de la nouvelle génération disent que oui, les vieux pères là ne reconnaissent pas le Zouglou qu'eux ils font, parce qu'on dit non, c'est les poupées des galets qu'ils font, mais souvent c'est les Zou qui font, bon bref. Alors vous vous définissez comme. Vous définissez dans quelle génération? En fait, je peux aller? Ouais, vas-y. Voilà. Nous, on est de la génération intermédiaire. D'accord. Génération intermédiaire, pourquoi? Parce que il y a longtemps, on a commencé. Quand on veut parler de génération, quand on veut prendre le début jusqu'à... Enfin, on dit au moment où tu as commencé à mousser. Voilà, or le mouvement c'est Dieu qui donne. Tu comprends? C'est pas l'homme qui crée le mouvement. Voilà. Un enfant peut se lever aujourd'hui, il a 4 ans, il va commencer à mousser. Il est de quelle génération? Nguengue ou quoi? Voilà. Donc c'est pour dire, nous on est de la génération intermédiaire. On ne se réclame d'aucune génération.
on fait des zouglous, voilà. Et nos rythmes sont confondus à tous les rythmes. Dans notre album, il y a tout. Voilà, tout ce qu'on peut appeler zouglou décalé, tout ce qu'on peut appeler zouglou afro, tout ce qu'on peut appeler zouglou original. Il y en a. Mais en tout cas, Prince, moi personnellement, qui suis un enfant de Yopougon, moi je sais que Prince est un ancien. Voilà. Lui, il ne peut pas me dire qu'il est la nouvelle génération. Parce que lui, il est respecté dans le milieu. Parce qu'il y a longtemps qu'il fait plaisir au mouvement du zouglou. Et ceux même qui connaissent le zouglou, qui se promènent, savent que Prince, ce n'est pas un type d'aujourd'hui en fait. Voilà. Alors Prince, dis-moi, qu'est-ce que toi tu dis de tout ce bruit qu'il y a dans le zouglou aujourd'hui? Non, la jeune génération ne fait pas de beaux zouglous. Non, mais il faut faire des tests poignants. Non, il faut définir les faits de société. Aujourd'hui, les jeunes, tout ça là, qu'est-ce que toi tu dis de tout ce bruit qu'il y a dans votre mouvement aujourd'hui? Tu sais, tout ce que moi je peux dire dans tout ça, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que pour moi, c'est dans la brousse, il n'y a pas petit serpent. Ouais, venin, c'est venin. Il n'y a pas de petits zouglouman, il n'y a pas de grands zouglouman. Le succès, c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, de nos jours, là, tu sors un album, ça marche, on dit que tu es le plus fort. Demain, tu descends, tu es le plus faible. C'est comme ça, ça est. Donc, cette histoire de nouvelle génération, ancienne génération, bébé génération, grande génération, nous, on fait du zouglou. Et on soutient toujours le mouvement zougloutique. On est toujours dedans, donc on ne s'emmène pas pour dire non. Celui-là, il fait son zouglou, c'est pas zouglou, c'est point, point, point. Non, ça réussit toujours. C'est le même chemin que nous suivons tous. Voilà, on fait ça pour défendre les causes là, du pays et puis on roule quoi. Le zouglou, tu gagnes. Voilà, sinon... Je profite de ce micro pour saluer un ami à moi qui est un fervent zoulouman, quelqu'un qui adore le zouglou. Il s'appelle Lomu Glao, le Glao. Depuis Casablanca. Le masqueré. L'homme. Voilà, c'est mon frère depuis Casablanca. Je te salue, famille. On est ensemble. Lui, il est là-bas, mais il organise les festivals, les mouvements pour le Zoulou. Il est bon, hein? Je vais te filer son numéro. Tu vas voir. C'est un bon gars. Alors, sans façon, bon. Actuellement, vous avez sorti un album de 16 titres, ça. Voilà. Quand tu parles d'enregistrement. Vraiment, on a enregistré des albums, hein, mais cet album-là, il a été vraiment têtu. Mmh. Voilà, si tu peux m'exprimer ainsi. Vous avez mis combien de temps en studio pour sortir ça? Vraiment. On a tapé au moins plus de 6 ans. Mmh. Pas parce qu'il n'y avait pas d'inspiration, parce que c'était le temps. Souvent, il faut laisser le temps agir. Mmh. Et quand on dit le temps est le deuxième nom de Dieu, il faut être dedans pour croire. Voilà, on a connu beaucoup d'arrangeurs, on a côtoyé beaucoup d'arrangeurs. L'album a été arrangé, je crois, avec la participation de 5 arrangeurs. Voilà. Et chaque arrangeur a pris son temps. Et puis, il faut reconnaître que pendant l'enregistrement de cet album, la musique zouglou en particulier, et ivoirienne en général, connaissait une mutation. D'accord. Voilà. Connaissait une mutation. C'est-à-dire, il faut être là pour croire. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans les détails, peut-être plus tard on va rentrer dans les détails. Mais cet album a été un album têtu. Mais on dit toujours, ça n'a pas été facile, mais ça a été fait. D'accord. Mais avant cet album, il y a eu des singles, notamment L'Ogre de Goût, il y a eu Chinois en vie. Vous avez rendu hommage à Arafat. Je lui ai dit pourquoi vous avez senti la nécessité de chanter Arafat. Beaucoup de personnes sont mortes avant Arafat, beaucoup d'artistes. Mais vous avez fait un single pour pleurer Arafat. Oui. Non, mais Prince, il aime beaucoup les DJ. Ah bon? Il les aime, nous adore. Non, mais il faut dire que. Dans le premier album, on a chanté Ritondé. Le zouglou à la base, c'est une sonorité que les gens adorent écouter dans les funérailles. Voilà, on a cette grâce là de savoir rendre hommage aux morts. Vous voyez? Donc Chinois vit, son histoire c'est quoi? On décide de faire sortir l'album un 16 août. Pendant qu'on se préparait pour lancer l'album,
le 12, et voilà que Arafat nous quitte. Paix à son âme. Et voilà. Donc, dans cette atmosphère-là, est-ce qu'on peut faire sortir un album? Tous les Ivoiriens sont gamés. Tout le monde en pleure. Voilà, tu vas écouter. On ne voulait écouter qu'une musique. Tu vas partout. Ce sont les sons d'Arafat. Tu bouges ici, c'est Arafat. À la radio, Arafat. À la télé, Arafat. Vous voyez, nous-mêmes, on était touchés. Le monde entier en pleure. Voilà. Donc, L'artiste est touché. Ne dit-on pas que les belles œuvres découlent des faits douloureux. Tu comprends? Donc, on a réfléchi. D'abord, nous-mêmes, ça nous faisait mal. On est rentré en nous-mêmes. On a sorti quelque chose. Et Dieu merci, cette chose nous a réunis dans le bain. Les gens ont apprécié énormément. Voilà. C'est comme ça, l'histoire des Chinois. Et puis, l'Ouro Dougou, faut dire que c'est pas des singles en tant que tel. Voilà. Quand tu veux lancer un album, tu fais sortir des morceaux promo. Avec lesquels tu fais la promo. Donc, l'Ouro Dougou, Chinois Vie. Voilà. Et puis, mon Zouglou que vous écoutez, qui est aujourd'hui Isé. Voilà. C'était les morceaux promo. D'accord. Il sait que Ramzi a envie de vous poser des questions sur une perle. Oui, on va venir dessus. Parce que, mine de rien, moi, je ne veux pas. Moi, j'ai un problème en fait. En fait, j'ai un problème avec les gens qui, aujourd'hui, quand il y a une polémique et qui invite les artistes, traînent sur cette polémique-là. C'est rabaisser, tu vois, c'est diminuer l'artiste en fait. C'est pour ça que ça le réduit à cette polémique. Ouais. Au moins, je suis dans le milieu, je sais que moi, l'émission que je fais à Voix TV Musique et Fafa, et tous mes collègues qui sont ici qui font des émissions, notre objectif c'est de rendre grand les artistes, comme on dit. C'est de rendre honneur. C'est de rendre honneur, c'est pas de venir dire oui, bon, la polémique, c'est quoi, on finit de parler, puis c'est fini. Non. Sans façon, à une histoire, sans façon vient de quelque part. Il fallait que cette façon vienne de quelque part pour qu'il y ait cette polémique, pour que tout le monde court aujourd'hui derrière ça. Il doit être ce que veut dire. Par rapport à ça aussi, moi j'ai appris, il faut que Presse me réponde. On dit qu'un ou deux, c'est peut-être une bizarre. Presse partait faire des combos lui seul. Ça va. Ouais, ça. Oui, les gens en parlent. Presse, tu partais faire les combos toi seul, tu voulais, j'étais ton gars. Maintenant, il paraît que, voilà, par rapport à la dernière production, il y a eu quelque chose. Est-ce qui a fait que tu étais obligé d'appeler ton gars encore venir travailler avec lui? Sinon, à un moment, on dit que tu ne voulais plus travailler avec lui. Tu commençais à chanter seul, tu partais dans les baudoirs, dans les trucs pas seul. Alors, tu as la parole. Parce que ça là, si tu ne te poses pas la question, les gens ne font pas, vont me faire parler. Parce qu'ils m'ont envoyé des messages hier pour dire, oh, tu t'en fais une mission, les gars là. Lui, là, on l'a vu chanter seul ici. Il dit quoi? Tu sais, Ramzi, il faut dire, les gens parlent trop. Les gens parlent rapidement, tu vois. Mon binôme et moi, on ne s'est jamais séparés. Tu sais, moi, mon binôme, c'est le gars, quand il y a une chose sans façon, je l'appelle, on sort. Mais lui, il n'aime pas beaucoup sortir, il est toujours dans la maison. Moi, je suis un octambule, moi, il me promène. C'est, j'ai sommeil dans la journée, il n'est pas sommeil la nuit. Donc, quand moi, je sors comme ça, là, il peut sortir dans un de tes maquis, puis le maquis est gbé. On peut me demander, Prince, il faut faire un petit truc. J'ai fait un petit truc, c'est pas ça, c'est pas un combo. C'est si je veux que je le fais. Mais quand il y a un mouvement sans façon, je l'appelle toujours. Quand on finit là, lui rentre. Mais quand on finit nos spectacles là, lui rentre. Quand lui rentre là, moi aussi dans l'allée. Ça c'est vrai. Voilà, c'est pas comme. Lui et moi, on s'est jamais discuté pour dire que non, il va rester dans son coin, je vais rester dans mon coin. La preuve en est que Yodé et Siro ne se promènent pas ensemble. Mais quand il y a le show, ouais, ils sont là. C'est comme c'est ça. Oui, mais quand tu es dans l'allée, est-ce que lorsque tu gagnes le blé dans les petits trucs que tu fais là, est-ce que tu lui fais le point après? Non, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Mesdames et messieurs, ouais, quand on dit on ne va pas le faire, c'est pas pour rien. Ça sortit. C'est-à-dire que le monsieur, il va, il laisse son gars, comme il sait que son gars est castillé. Il rentre chez lui. Il va, parce que presque tout le monde sait qu'il est fort. Non, dès qu'il arrive comme ça, là, tout le monde est content. Presque une des Jafou gagne les 200 000, les 100 000, il ne monte pas ça à Léo. Il va aller seul. Et puis il dit que non, il n'y a pas de point à faire. Mais c'est pas normal. Mais il n'y a pas de cachet. C'est pas un taché. Oui, mais comment faut penser à ton gars? Il allait dormir, il faut penser. Ça dépend. S'il voulait un peu dedans, il allait le sortir. Il a préféré le sommeil, donc il dort. Il dort dans une boucle. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, ça réussit. Est-ce que tu t'es déjà plaint du fait que
On te dise par exemple que Prince est à Bassam, il est en train de ramasser l'argent ici sans toi. Est-ce que ça te faisait mal par moment? Donc, ben, pour répondre à ça, il faut dire d'abord que notre, notre histoire est un peu bizarre. On est sorti d'un contexte de guerre. Vous voyez, la guerre même a joué d'abord. Et puis, quelques temps après, on est sorti en 2009, en 2010. Fin 2010, c'est gâté. Vous voyez, chacun s'est cherché. Quand on est revenu, voilà, notre producteur, voilà, il n'avait plus rien à foutre avec. Voilà, il a ses raisons. C'était qui votre producteur? Bon, on peut pas, on doit taire son nom, c'est un dieu du pays. D'accord. Voilà. Donc, il tape sur mes artistes, c'est pas son nom, c'est pas. Non, c'est pas sa faute, Ah. On revient des guerres. Mmh. On revient des guerres. Chacun se cherche, Joe. Ils ont saccagé la maison de tout le monde. Chacun a sa famille. C'est vrai. Ouais, on revient sans façon de devenir un groupe livré à lui-même. D'accord. Tu comprends? Chacun se défend. Lui, il a ses charges et mes charges. Vous voyez? Voilà. Faut dire que lui la plus de charge que moi, parce qu'il a beaucoup d'enfants. Mais c'est un garçon, il travaille. Okay. C'est donc, qui? Dans ce contexte-là, chacun se cherche. Vous voyez? Donc, pour revenir à ta question, j'apprends que Prince est là-bas, il a joué ici, Prince a joué ici. Moi, ça me va droit au cœur. Vous voyez? En tout chose, pas avoir l'argent. Prince est sur le terrain, c'est-à-dire, il aide le groupe sans façon à garder le cap. Pendant que on doit travailler. Quand lui il est là-bas, moi je suis là. Voilà, je joue la force de l'ombre. Vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui on a sorti une œuvre. Si je voulais écouter les gens pour dire ah non, ils ont joué là-bas, ils ne me donnent pas. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas cet argent qu'on cherche. L'argent qu'on cherche, voilà ça. C'est ce qui vient. Sinon, l'argent de travaillement, il faut voir ça. Il y a d'autres boulots, il y a des petits boulots. Voilà. À part la chanson même, tu fais quoi? C'est ça, un artiste. Il ne faut pas dire que non, comme je suis artiste, je suis couché, je ne fais rien. À part la chanson, il faut faire des choses. Voilà. Lui, il ne peut pas faire autre chose. Si ce n'est pas chanter, il allait chanter. Moi, je lui dis, vas-y, garde le cap. Voilà. Quand Prince vient ici, on dit, Prince est quitté ici. Fait le groupe sans façon. Aujourd'hui, on revient. Et c'est ce qui a donné du baume à la chose. D'accord, d'accord. Mais à l'époque où vous avez, à l'époque où vous aviez sorti l'album de Adam Nato et tout, vous avez tellement connu le succès, est-ce que ça vous a envoyé aussi en Europe et tout ça? Bien sûr, bien sûr. Bien moi sûr. Je sais, moi je pose la question pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Adam Nato a été admiré par les Européens, en Suisse, en France, en Italie. Bon, disons Suisse, France, deux pays, voilà. D'accord, mais personne n'a eu, entre vous deux, il n'y a pas un qui a eu envie de caler. Non. Pourquoi caler? Moi, ce que je peux dire, c'est affaire de caler à Beng même là. C'est-à-dire que un chanteur qui cale à Beng, c'est que lui-même n'avait plus confiance en lui. C'est-à-dire qu'il cherchait juste la route pour aller s'asseoir là-bas. Tu es encore une jeune poule. Tu peux toujours pondre. Pourquoi aller calé à Beng? À part Magic System, là, quel groupe Zouglou qui est resté à Beng et puis qui a réussi? Si c'est pas pour Jossi, tu peux rien faire à part ça. Or nous, dans notre position même où tu nous vois là, même si on part en France, si c'est pour un mois, on finit les un mois, nous revient. C'est-à-dire que nous, on doit faire les va-et-vient comme tout le monde. Attends, tu as peur de quoi? La galère? Non, moi je demande. Tu peux aller à Beng. Le destin de l'homme, il est tracé. Il faut dire que nous, on est des croyants. Le destin de l'homme, il est tracé. Tu peux aller à Beng et puis tu vas rester là, galérer. Ce que tu cherchais, tu ne vas pas avoir. Et puis tu es là. Et puis tu vas te baigner après. Voilà. Nous, on a fait 10 ans. De 2009 à 2020. C'est 10 ans. C'est carapace. Galère à sa glisse. Voilà. Galère, vous n'êtes pas encore. Une autre question. Galère, mais il a perdu. Quand vous voyez le temps. Une autre question polémique sur le premier album. Là. Tu étais en train d'improviser un jour Prince sur le son Benny Beleko. Le jour des Ziro. Benny Beleko. Et tu disais dans la chanson que c'est vous qui aviez chanté la chanson. Là, les grands frères ont entendu. Et ils vous ont dénoncé en
En fait, vous avez dit qu'ils ont volé votre chanson. Est-ce que tu confirmes ici que Yodé ici ont volé votre chanson à l'époque? C'est un débat, il ne veut pas rentrer dedans. Mais tu as chanté ça? Tu as chanté, tu as dit que les gens ont volé ta chanson. Et la chanson pour moi. Oh, les gens ont volé, voilà. C'est ça. Voler, c'est trop dit. Nous-mêmes, là, on s'en va dans des coins. Les enfants sont entrés vers leur royaume. Il y a un petit refrain qui plaît. On prend ça, on ajoute ça à un chanson. Voler, c'est trop dit. Ça lui a fait mal s'il a chanté ça en improvisation. Il dit qu'ils ont pris pour faire quelque chose. Ils ont pris un bout. Donc attends, mais la chanson, c'est quelle partie ils ont pris? On sait que dans l'histoire des Zoulous, il y a un par exemple qu'on appelle Fitini, qui est mon vieux mec qui respecte. Fitini, tout le monde dit dans le milieu de la musique ivoirienne que Fitini, c'est l'artiste qui a été le plus volé dans le milieu du Zoulou. C'est pas moi qui le dis. Et parce que Fitini, quand il est inspiré, il chante, ses gars sont à côté, les gens prennent les dogs. Mais prendre dog là, il y a un petit refrain, et puis il y a aussi en même temps prendre toute la chanson du gars. Donc ta chanson, ils ont pris tout. Ou bien c'est le Benny Bleko, les autres. Faut pas tourner autour, c'est pas Benny Bleko. Benny Bleko, ça c'est chanson de Yodé lui-même. D'accord. Ça, c'est pour eux. Mm-hmm. Moi je parle de Guéré Abidjan. D'accord. Voilà. Donc Guéré Abidjan, c'est ta chanson en fait. C'est ton inspiration. Voilà, mais c'est Dieu qui t'a donné pour reconnaître qui t'a donné ta chanson. Oh non. C'est le thème volé là. C'est le thème volé. Non, c'est trop fort pour nous. On a vu. C'est comme ça qu'ils n'ont pas dit. Petit Denis a chanté, comment on appelle? Antilaleka. Les Yodé ont chanté. En Zouglou, qu'on est tout réside toujours là. Rien ne se perd en Zouglou. Voilà, il faut voir ça sur le sens le plus large du thème. Voilà. En Zouglou, tu es en train de faire ton royaume, tu as créé une histoire. L'histoire, toi tu peux créer l'histoire et puis tu as traîné ça. Si tu ne voulais pas qu'on écoute là, tu n'allais pas aller chanter ça ailleurs. Tu comprends? Voilà, aujourd'hui la musique là, on dit, il y a quelque chose dans la musique. Faut dire même là, le mélomane même là. Tu sais que les mélomanes sont un peu bizarres. Tu sais, quand on allait au studio pour aller faire Adam Anatole, nous on n'avait pas chanté Adam Anatole. Adam Anatole, nous on n'a pas chanté. Même Alon Adabou, on n'a pas chanté. On a chanté 10 titres. Quand le producteur est entré pour écouter les chansons, il dit, mais attends, où est Adam Anatole? Adam Anatole, nous on prend pour s'amuser dans funérailles, mariage, baptême, c'est comme, c'est ça, nous on prend pour faire galerie, pour engager un peu les gens. Il dit, non mais, attends, moi j'étais produit, et où j'ai produit là, ça cause Adam Anatole? Hein? Où est Alon Adabou? Il dit, non, ça là c'est des petits trucs qu'on prend, c'est même pas chanson pour, qui doit plaire à quelqu'un, tu vois. Et le boss nous a dit, mettez Alon Adabou, mettez Adam Anatole. Donc on a enlevé deux chansons. À l'improviste. C'est ce que vous annoncez aussi, hein, parce que ça a pris. Tu vois, nous-mêmes, on ne calculait pas ça. Et bizarrement, c'est ça, les joueurs, ils aimaient. Oh, on n'a même pas travaillé quelque chose. De façon qu'on jouait, c'est comme ça, moi, on a mis ça. Nous, on était déjà fâchés. Comment on peut enlever deux chansons pour à cause d'Alon Adabou, Adam Anatole? Tu vois? C'est juste le message qu'on a complété. Voilà. Décomplexé. C'est pour ça, aujourd'hui là, après ça, les gens ont parlé à Adam Anatole. Aujourd'hui, maintenant, on a chanté un bobo à Bel Air. Si demain, les bobos se plaignent, c'est qu'il y a eu un rapport quelque part, il y a quelqu'un a rapporté. Ah, les bobos, ils n'entendent pas. Bobo n'entend pas. Tu l'as dit là, c'est que c'est toi. Si aujourd'hui, comme ça, l'album sort, l'album est sorti. Si on apprend qu'on a été convoqué quelque part par un bobo, c'est que quelqu'un l'a expliqué. Il n'attend pas. Voilà. Mais vous avez quatre problèmes avec elle. C'est pour ça qu'on a dit, quand on a chanté Adam Anatole pour les décomplexer, certains ont mal compris. Ils nous ont critiqué. C'est parce que tu entends et que tu peux parler. C'est pourquoi c'est devenu tollé. Allons chez les bobos. Bobo. Voilà. Ah. Ben là. D'accord, bon les gars, bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que ça me démange là. Ouais. Voilà. C'est quoi le truc en fait? C'est quoi tout ce bruit autour de la chanson? On dit la chanson, c'est mon Zouglou. Ils disent non, on s'en fout de ça, c'est isé. Bon, on sait plus, c'est quoi le truc, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Isé, Zouglou, mon Zouglou. Wow. Le Mon Zouglou, c'est une chanson qui a été faite de façon sans façon. Voilà, à la façon sans façon. Je m'explique. À la façon sans façon, c'est quoi?
Mon gars, lui, improvisation, lui, pour lui, tout doit être improvisé. Il n'écrit pas, ça vient vite, ça vient comme ça. Donc, lui, quand on a un spectacle, quand je le sens au maximum de son inspiration, je commence à prêter attention. Tu comprends? Tout ce qui sort, je récolte. Et puis après, il fait un tri. Voilà. Donc, mon Zouglou, on était quelque part dans une ville. Parce que nous, avant de faire un spectacle, nous, on ne vient pas, on ne dit pas, mais fait des 1, fait des 2, vous quittez. Pour ça, même Marcelin il connaît un peu l'histoire de la chanson, il sait. Voilà. Il fait exprès. Parce que il faut que vous m'expliquiez bien. Non, il fait comme si. Donc, on était en prestation, sur un beat. Et puis, voilà, le refrain est venu. Yves est venu. Une autre fois encore, on était en prestation, ça c'était en voyant. Et puis le refrain est venu. Pleuvez pas la pluie. Pleuvez pas la pluie. Bon, comme dans tous nos albums, on dédie une chanson aux Zouglous. Parce qu'il faut magnifier son art. Voilà, donc, dans le premier, on avait dit, moi je ne crains rien, mon Zouglou est solide. Voilà, il est bien fixé dans ma voix. Voix profonde. C'est un peu cas du nous, je ne l'ai pas apprêté. Bref. Donc, dans cet album, notre manière de magnifier le Zouglou, c'était avec le titre Ivey. Donc, c'est différentes sonorités qui ont surgi pendant nos improvisations, qu'on a récoltées. Et puis, on a bien peaufiné ça. C'est ce qui a donné aujourd'hui le titre Ivey. D'accord. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, voilà, il y a un monsieur qu'on appelle Nikou. En réalité, c'est son prénom en fait. C'est comme ça qu'on l'appelle à Yopougon, Mikou, qui est dans, qui est même dans le clip. Parce que moi j'ai vu le clip, j'ai constaté que le monsieur est dans le clip. Voilà. Comment est venue votre collaboration avec lui? Et jusqu'à aujourd'hui, voilà. C'est quoi le truc, Prince? C'est quoi? La collaboration est venue comment? Il faut dire simplement, tu sais, on n'avait pas encore fini en studio. Et on a pris l'album qui n'était pas encore mixé pour aller écouter ça dans quelques maquis. Et quand on finit d'écouter, on dit au DJ d'effacer parce que c'est pas encore mixé, c'est pas encore fini. Et c'est comme ça, il y a un DJ qui n'a pas effacé. Et puis le son isé est parti. Donc on était là des mois sur des mois, on attend. Ah, il y a un morceau qui joue à Sikoji, ce fiel, en tout cas, ça fait mouche. Hein. Donc quelques temps après, le gars qui avait son maquis à se faire, il nous invite pour venir parrainer une soirée. Et on arrive. Mesdames et messieurs, écoutez bien l'histoire. On arrive, nous on pensait qu'après, ils allaient nous dire de chanter forcément comme nous avons l'habitude de faire. Aujourd'hui, on est arrivé, même le producteur de maquis dit non, que ce n'est pas pour chanter. Hein. Mais asseyez-vous, vous allez voir quelque chose. Il y a quelque chose qui a fait passer. Donc nous on assis. Et quelques temps, on voit 5 personnes sur le podium. À la tête, Mikou. À la tête, c'est Mikou qui est là. On met le son. Ils font un déhanchement de ouf. Ils font un ballet du morceau. Moi, on est étonné. Hi! Donc, ça là, on pourrait danser ça comme ça. Nous-mêmes, on s'est levé, on a un petit grand-grand sur nous, on est parti leur donner ça et puis on est venu s'asseoir. Et quand on a fini, on lui a dit bon, comme tu as créé le pas de danse, la chanson, à partir d'aujourd'hui, là, partout, on va aller jouer, on sera ensemble. Ben nous, on danse pas haut. Si tu as créé le pas que tout le monde a aimé, c'est que ça peut courir, ça. Ouais. Donc, partout on allait, on partait avec lui. Voilà, c'est comme ça. Hein. Partout on allait, on partait avec lui. Maintenant, à un moment donné, on appelle Mikou, maintenant il dit non. Il a son staff. Comment ça, son staff? On a qu'à voir ses managers. On dit c'est pas bien grave. Tout compte fait, là où tu as enlevé le son, nous-mêmes, là, ça nous a aussi aidé, c'est pas bien grave. Mais néanmoins, si tu veux aller quelque part, il faut nous faire part de ça, où tu veux aller. Si quelqu'un, les gens ont besoin de toi, tu dis, ah, ceux-mêmes qui ont chanté là, sont mes amis, je les connais bien, je vais les appeler, voilà, voilà, voilà. Mais il ne le fait pas en fait. Il sort, il s'amuse. Il va dans les coins, nous on voit, on dit rien. Et c'est comme ça. Or, par moment on l'appelle et puis on s'assoit, on cause. On lui dit ce qu'on peut dire à un frère.
Mais il continue. Mais aujourd'hui, là, vous convenez avec moi que ce n'est pas normal que Mikou, qui est, comme qu'on appelle désormais le paysaisé, elle est appelée le père d'Aloa, mais c'est le paysaisé. Voilà, le paysaisé en question, c'est vrai, il a créé le pas de danse. Et les gens lui ont collé cette étiquette de la chanson comme c'est pour lui. Maintenant, tout le monde sait en réalité que ce n'est pas sa chanson. Mais si vous vous permettez qu'il parte faire des prestations, on lui paye des cachets et tout ça sur votre dos, bon, moi je ne sais pas pourquoi vous permettez cela. Parce que normalement, ce n'est pas logique ce qui se passe en fait. Pourquoi vous lui permettez de faire ça? Parce que moi j'ai vu sur Facebook avant-hier qu'il a été reçu comme Michael Jackson quelque part là-bas. Hein. Il arrive, tout le monde l'applaudit, il danse. Moi j'ai vu sa façon de danser. C'est, en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, aujourd'hui il y a la polémique. Il vous laisse, il va signer des cachets dans votre dos. Tout ça sur vous, votre chanson, l'œuvre de votre esprit en fait. Et on a l'impression que vous n'éditez rien en fait. Ramzy. Il faut dire simplement que Mikou, nous on n'a jamais dit à Mikou, mm-hmm. comme tu as créé la danse, mm-hmm. prends l'album et puis va t'inspirer un peu partout où tu veux. Mm-hmm. On n'a jamais dit ça à Mikou. Mm-hmm. À tout moment qu'on cause avec Mikou, on lui dit, si nous on a des shows quelque part où on doit partir, laisse ton téléphone ouvert, on t'appelle et on part. Oui. Le peu qu'on va avoir là-bas, là, c'est que si on va te donner quelque chose et on va rouler. Mais s'il y a des grands, trucs à faire, on fera ça ensemble. Parce qu'il faut voir que dans le clip, il est dedans. On a refait encore un deuxième clip, il est dedans. Oui, le mix aussi, oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça fait que on n'a pas de problème avec lui. D'accord. On n'a pas de problème avec lui, mais je ne sais pas pourquoi ces gens de trucs arrivent. Et puis bon, voilà, je ne sais pas. Oui, mais tu as dit tout à l'heure que voilà, quand vous l'appelez, vous dites, bon, on y va, allons ensemble. Il dit non, vous voyez son staff managérial. Il a des danseurs, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, on a connu. Tu sais que les gens sur Facebook, ils n'ont pas de respect pour les artistes, tu vois. Les gens sont impolis, en fait. Il y a désormais le danseur et puis il y a les chanteurs derrière. Oh, avant, c'était le contraire. Ouais, on fait le contraire. Vous voyez un peu, non. Ça, c'est en train de ternir un peu votre image. Et vous ne réagissez pas, en fait. Est-ce que Mikou, par exemple, là, est-ce que vous n'allez pas le rappeler à l'ordre? Ou porter plainte, ou je ne sais pas, un truc du genre pour qu'au moins il arrête de se faire la malle sur votre dos en fait. Parce que faut dire, quand il cause toujours avec quelqu'un, la force n'arrange pas forcément les choses. Hein. Faut toujours partir doucement avec quelqu'un. Parce que nous on se dit quoi, tôt ou tard il va comprendre. Je me dis que c'est pas lui. Il y a des gens qui sont en train de le mélanger. Quand moi j'ai réfléchi, hein, je me dis que c'est son entourage qui le fatigue. Sinon, lui et nous, quand on s'attrape tête à tête, quand on s'assoit, puis on cause là, il n'y a pas de souci. Il dit ouais, vous avez parlé, les vieux pères, il a compris. Voilà. Donc, lui, que vous avez un show, appelez-moi. Partout, je vais aller, appelez-moi en partie. Mais après, on est là encore, on voit. Vous entendez qu'il y avait quelque part pour parler presque. Ça, c'est la mauvaise foi en fait. Donc, moi, c'est le fait que vous ne réagissez pas, moi, c'est ça qui me tord. Mais en fait, peut-être qu'il ne réagisse pas parce que la chanson est sortie en décembre 2019. Personne n'en parlait. C'est vrai que dans les radios, on pouvait en jouer un peu. Mais c'est Mikou qui a révélé la chanson. Hein, avec sa danse du gros ventre, c'est lui qui a révélé la chanson. Il vous a donné un gros coup de pouce. Donc, peut-être que c'est à cause de ça que vous ne pouvez pas aller fort avec lui. Autrement dit, sans Mikou, cette chanson serait passée inaperçue. Okay. C'est vrai ce qu'il dit ou pas? Bon, moi j'aimerais venir un peu en arrière. Mm-hmm. Voilà. Après le show de, comment on appelle, de Fikoji, où on l'a découvert, mm-hmm. on l'a plus lâché. Voilà, on l'a plus lâché à tous nos lives. Il faut dire à la base même que Mikou, c'était un fan. Les gens savent pas. C'est le premier fan de Fafa. Lui-même là, quand vous allez lui demander, il va vous dire ça. C'est un fan d'abord. Quand il dort, on dit il chante la chanson. Il est fan de la chanson. C'est-à-dire, lui, il y a longtemps, il nous suit. Un fan que l'argent a transformé. Voilà. L'argent l'a reconnu comme lui. Voilà, si on peut dire ça ainsi. Voilà. La chanson, quand on dit, c'est vrai. Dieu, parce que nous on est pieux. Dieu est passé par Mikou pour révéler la chanson. On comprend? Bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça en Côte d'Ivoire. Dieu est passé par plusieurs danseurs pour révéler des chansons. Tu es Didier, tu le sais. Voilà.
Donc, Mikou, faut dire que la chanson et mon zouglou, Ivoire TV sait que on a commencé une promo quand on est venu à Ivoire TV ici, hein, déposer la chanson passait 6 fois par jour, hein. Voilà. Ah, Ivoire TV a fait aussi. Ah, bien voilà. Bien, il y a d'autres chaînes. En tout cas, moi, il y a tant mon pied. Voilà. Mais ce qui a freiné, ce qui a freiné l'élan, c'est la pandémie. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Première fois, on voulait lancer, ce qui a freiné, c'est la mort d'Arafat. Deuxième fois, on veut lancer, ce qui freine, c'est la pandémie. Donc Dieu, voyant notre souffrance depuis 10 ans, crée quelque chose. Il y a des gens, sur les sonorités des artistes, qui ont créé des pas de danse. Et puis ces artistes-là ont récupéré les pas de danse, puis ils ont jeté les danseurs. Nous, on n'a pas fait. Tu comprends? Parce qu'on vient de Yopougon, on vit dans le même trou. Excuse-moi de te couper, mais vous ne l'avez pas fait parce que, quelque part, vous n'avez pas eu le choix. Parce que le gars, il danse sur le truc là. Vous-même, vous ne savez même pas qu'il y a cette foule dessus à lui. Pourquoi on vous appelait? Vous êtes allé voir. Et avec les réseaux sociaux, le gars, il est en train de danser dans un marqué, on le filme, qu'on balance, ça fait 2000, 5000, 10000, 15000, 20000 vues. Donc, vous ne pouviez plus l'écarter. Non, toi, tu parles de tout récemment. Tu parles de tout récemment. Je t'ai dit quand la chanson. Mais c'est bien les réseaux sociaux que la chanson a pris en fait par le biais des médias. J'en viens. À la base, on pouvait récupérer la chanson. Si on n'était pas de mèche avec lui, il n'allait pas figurer dans le clip. Ça, c'est vrai. Le clip, nous, on allait le réveiller, il dormait, on l'a remué. Il était fatigué, on l'a boosté. Tu comprends? Tu seras dans le clip. Puis on l'a mis dans le clip. C'est pour dire que nous, on n'a rien contre Mikou. Mikou même là, il n'a rien contre nous. Sinon, mais quand le verre s'est créé, on connaît ce que c'est que les remue-ménages de succès. Vous voyez, quand le beurre s'est créé, nous, on a attendu au moins un jour, deux jours, parce qu'on ne croyait pas nos yeux. Deuxième jour, on appelle notre élément pour dire que, ah ben voilà, c'est quoi, on avait commencé là. Des vidéos ont donné un beau massage, donc on fait comment? Tu comprends? On va, voilà. Avec le staff, voilà comment on va s'organiser. On l'appelle, il décroche plus. Un moment, il décroche, il nous dit de causer avec son staff. Tu comprends? Bon, ok. La chanson a été révélée par cette vidéo au grand public. Ok. Nous, on respecte ça. On respecte ça. Vraiment, il a joué un rôle important. Mais, et puis on respecte aussi qu'il ait des gens pour l'encadrer. Parce que c'est pas facile dans un milieu. Vous comprenez? Nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Ok, donc, viens avec tes gens, on crée, on se met, on crée un truc, on signe des contrats, et puis désormais, on évolue ensemble pour mettre tout ça là à profit. Et il dit quoi? Ah, ben quand on n'arrive plus à mettre la main sur toi, et que demain on se rend compte que tu es recruté des danseurs, tu es en train de faire des spectacles, où on devait nous appeler peut-être à 300, 200 000, lui, on l'appelle à vil prix. Tu comprends? Disons, c'est de l'argent qui a été injecté en nous, dans cet album. On ne peut pas dire ce que le producteur a injecté dedans, mais ils sont en train de travailler sur notre image. Tu comprends? On revient de loin. Donc il y a des gens qui veulent booster leurs artistes. On a des fans derrière nous. Tu comprends? Allez voir sur nos pages. Mais si devant nos fans, on ne peut pas accepter ça. Maintenant, oui, tu es en train d'expliquer la chose. Je suis d'accord avec toi. Et moi, ce que je suis en train de dire, comment vous comptez régler ça? Parce que, en fait, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. On est tous dans le milieu artistique. On sait qu'on connaît les choses. Tu as créé ta chose. Quelqu'un ne peut pas aller ta chanson que tu as créée. Parce que, presque, il y a plusieurs fois vu en prestation. Presque, boum, boum, de même. Mais presque, beaucoup plus. Comme lui-même, il dit, il est tout en dehors. Donc, lui, souvent, il a des tocs qui viennent. Regardez, c'est l'inspiration. De l'esprit, là, c'est Dieu qui donne, en fait. Ouais. Donc, vous avez réfléchi. Il y a un truc qui est venu, vous avez fait. C'est vrai, c'est passé par lui. Ok. Aujourd'hui, il y a le buzz que ça a fait, mais ce n'est pas normal.
qu'ils partent faire des prestations dans votre dos. Moi, c'est de ça que je parle. Maintenant, vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous prenez comme résolution pour que ça s'arrête? Parce qu'ils chantent, ils prennent un cachet avec votre chanson. C'est ça qui s'arrête. Je ne sais pas si on se suit. Mais on a entendu dire qu'hier, il y a une réunion de crise, hier soir avec les staff. Et qu'est-ce que vous avez décidé par rapport à cette affaire? Parce qu'il y a des choses, ils ne veulent pas parler, ils sont tous les deux. Non, c'est pas ça. On va parler. Faut dire que on est en Afrique, on n'est pas blanc. Voilà. Le blanc directement, c'est la loi. L'Africain, c'est là, pas là. Ok? On est parti d'abord, on les a invités. D'accord. Première fois, on a causé, ils ont reconnu leur temps. Dit ok, désormais, on vous met en priorité. Ils n'ont pas respecté. Encore, deuxième fois, on vous met en priorité. Là même, là, c'était. Nous, on n'était pas présents. Hein. Ils se sont croisés des staff en staff. Voilà, ils ont calé des choses. Ils ont dit, ah, vraiment, et désormais, on vous met en priorité. Voilà. Donc, du coup, on s'est dit, voilà, cette fois-ci, les gens ont compris. On a fait même une tournée ensemble, une caravane. Ouais. À notre grande surprise, voilà, c'est une vidéo qui fait le tour de la toile. Tu comprends? Voilà. Où on le voit, les danseurs. Les gens, nous on était en mauvaise position. Les gens nous traitaient d'ingrats. On dit, ah, voilà, il a fait son buzz. On connaît la chanson maintenant. Voilà les artistes. Voilà, à cause des petits 2000, 3000, on travaille ici, ils sont jaloux. Nous, ça nous a touchés. On est resté dans nos coins. Parce que Mikou, c'est notre gars. Et du coup, on voit une vidéo qui fait le tour de la toile. Vous voyez, c'est plus nous qui faisons le parable. D'accord. C'est plus nous qui faisons son procès. Tu comprends? Nous, on lui a tendu la main. On dit, viens, on va développer ensemble ce qui est là. Il dit, il a son staff. Ok, tiens, un staff. On répète le staff. Viens ton staff, on va faire truc. On va développer ensemble. Bon. Si toi et ton staff, vous prenez nos œuvres, hein, pour aller chanter tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a dit, la conclusion des réunions, Mikou ne doit plus faire des prestations à notre absence, sur notre chanson. Sinon, vous allez faire quoi? Parce qu'il y a Paul Madise qui vous écoute. On a fini là, la parole. Paul Madise demande, vous avez peur de ce monsieur? Est-ce que vous avez peur de Mikou? On n'a pas peur. On a peur de Dieu. D'accord. Tu comprends? Donc, si c'est Dieu qui donne le succès. Nous sommes samedi aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, samedi. Si ce soir, à 22h, vous apprenez qu'il allait faire une prestation avec votre chanson, c'est quoi la réaction qu'il va avoir? C'est ça, on veut savoir. Pour vous informer déjà que le groupe Sans Façon a déjà son avocat. D'accord. Voilà. Donc, s'il va faire une prestation, qu'est-ce qui va se passer? On a fini là, Bacalab. On est sur le terrain de la loi. Vous avez traduit en justice. En fait. La musique ivoirienne est régie par des lois. Le burida est là. Et donc, quand l'Abapalab a échoué, on vient sur le terrain de la loi. Donc, Mikou ne doit plus faire des prestations à notre absence, sur notre chanson. Il a son image, il peut l'utiliser, faire des photos aussi, des publicités. Ça, c'est son image. Mais pas avec votre chanson. Avec nos chansons, c'est interdit. Parce qu'on a une image aussi. On vient de loin, on a galéré pour cette chanson, pour notre album. Il faut qu'aussi on profite des fruits. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est officiel. Hein? On a l'émission Fafa, je suis avec M. Marcel Antissoni, qui est mon frère, qui est mon type. Devant tout le monde ici, il y a une chose qui est dite. Désormais, M. Mikou, qui sera reçu à Fafa bientôt, bien sûr, parce qu'il faut qu'il s'explique, parce que tu ne peux pas voler les chansons des gens. Moi, c'est le dernier mot, il dit ce qu'il va dire, c'est comme ça. Tu voles les chansons de tes gars, tu t'ont même tendu la main, tu vas faire des prestations. Oui, c'est bon, Dieu est passé par toi, mais ce n'est pas trop normal, il faut que tu viennes t'expliquer à Fafa. Alors, le groupe Sans Façon dit que désormais, ce qui a été décidé, d'un commun accord dans le staff, c'est que Mikou n'a plus le droit de faire une prestation avec les chansons. Sans notre présence. Voilà. À notre présence. Sans qu'il soit là, voilà. Il n'a pas le droit d'utiliser la chanson. En fait, il n'a plus le droit d'utiliser la chanson. En fait. S'il entend les danser, c'est qu'ils ne sont pas loin.
C'est bien ça. Mais il peut au moins danser dans son salon, hein, la chanson. Il n'a pas le plan de la chanson de dos, en fait. C'est ça le truc, en fait. Donc aujourd'hui, c'est officiel parce que les gens en parlent. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais Miko, c'est pas normal ce qu'il fait. Il y en a aussi qui le soutiennent, qui disent que mais d'ailleurs, sans lui, est-ce que la chanson allait marcher. Tu vois, tout ça, c'est pourquoi j'ai senti lui poser beaucoup de questions. Oui, mais pour rebondir sur ce que tu dis, avant les orchestres, par exemple, ils interprètent des chansons des gens, ils prennent l'argent dessus, les cachets. Voilà, donc d'autres danseurs dans le coupé décalé dansent sur des chansons de Beno, d'Arafat, parfois ils prennent l'argent. Pourquoi Miku, le petit blé qu'ils font sur vous, pourquoi ça vous gêne? Je veux dire, est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une défaillance dans vous, votre organisation, qu'aujourd'hui Miku est au-devant de la scène? Est-ce que le problème ne vient pas de vous, Non, je ne pense pas. Simplement, aujourd'hui, quand on regarde là, c'est pas parce qu'on sait pas, ce qu'on va dire. C'est-à-dire que l'homme qu'on a tendu la main qui refuse, aujourd'hui là, nous, ce que nous on a décidé simplement, c'est pas parce qu'on a peur de Miku, ou bien c'est pas parce que si Miku n'est pas là, l'album ne pouvait pas décoller. C'est que si il y a des albums, quand ça sort là, tout qu'on fait là, nous on a une machine derrière nous. Hein. L'homme qui nous a produit là, nous on a confiance à lui. Et nous-mêmes, on a ce qu'on a chanté, qui est sur l'album. Aujourd'hui, c'est easy. L'album là. L'album, on a chanté là, c'est un album de 16 titres. Il y en a que vous n'avez pas encore écouté. Nous, on a sorti l'album, c'est pas easy que on veut vendre, c'est l'album que nous on vend. Oui. Donc aujourd'hui, on a simplement dit aux frères de ne pas faire des prestations si nous on n'est pas là. Si quelqu'un a besoin de lui pour aller faire photo, il peut faire photo. Il peut s'amuser comme il peut s'amuser dans le coin où il se débrouille là. Si on met le son, il peut toujours. Mais on ne veut pas qu'ils prennent le son pour aller chez des gens prester, aller ici prester. Voilà. C'est des banderoles à son effigie. On fait des banderoles. Moi, ce que je veux expliquer, c'est quoi? Tout à l'heure, tu disais par exemple que dans le coupé décalé, il y a des gens qui prestent des danseurs, mais ils y pressent en tant que danseurs sur une chanson qu'ils aiment. Voilà. Mais avec Miku et Sans Façon, ça s'est passé autrement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savaient même pas que c'était la chanson de Sans Façon. Parce qu'eux-mêmes disent qu'ils n'ont même pas sorti la chanson et la chanson a fuité en fait. Donc, comme lui, il prestait dessus et il a créé une danse, c'est tellement intéressant. La plupart des gens ont pensé que c'était sa chanson. Vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui chantent pour lui et qui disent que c'est la chanson. Personne ne se suit en fait. Voilà. Donc, ça s'est passé d'une autre manière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu en fait. Voilà, c'est ce qui fait que ça crée autant de problèmes. C'est pourquoi moi je voulais en fait que le groupe Sans Façon règle le problème une bonne fois pour toutes. Parce que c'est parce que du coup, c'est un père de famille, c'est un monsieur, tu vois, c'est un monsieur. Donc le traîner aussi dans la boue et tout ça, c'est pas trop intéressant. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas de sentiments. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Mais le groupe Sans Façon, ils ne sont pas allés avec lui à la justice, même faire parler avec lui, tu vois. Mais c'est juste que, selon ce qu'ils ont expliqué, ce que j'ai compris, c'est que Miku est venu peut-être tuer parce qu'il gagne l'argent. Donc quand on l'appelle, il ne vient pas. Et même il appelle pour dire, ah viens, on va faire les réunions, on va parler. Tu vois, si on était méchant, il y a des amis qui ont appelé. Et ils veulent appeler même le manager de Miku. Ils vont discuter, quel que soit le prix, ils vont dire là. Et ils vont accepter, ils vont l'envoyer en France. Très bonne chanson. En France, pour venir jouer, là où va venir jouer là. Mm-hmm. Et ils m'appellent maintenant pour me dire que nous, on va faire ça. Quand il va venir jouer là, nous, on va le frapper. Ah, Jean. On dit non. Moi, j'ai dit non. Ne faites pour pas ça. Pour rebondir, si l'affaire des orchestres, les orchestres, c'est quelque chose qui est déjà inféré, c'est-à-dire c'est quelque chose de légal en fait dans l'aspect musical. Les orchestres sont autorisés, donc on est l'orchestre de la RTI, on est ça, là, c'est autorisé. Vous comprenez? Et c'est déclaré au Burida, on fait des droits par rapport à ça. Mais un danseur ou bien un chorégraphe qui sent l'artiste, sans le consentement de l'artiste, fasse le produit, mais nous sommes surpris. Sincèrement, on respecte les mélomanes, nos fans, mais on est surpris. Nous, on est étonné. Aujourd'hui, l'Ivoirien, qu'est-ce qui se passe? Jésus me mettait bon, et puis les gens l'ont tué. Pourquoi on peut cautionner qu'on utilise? Parce que, je prends un exemple, Ramzi, un exemple simple. Parce que
grâce à toi, j'ai connu ma femme. Que tu sois elle, je vais parler, on dit, et si jaloux. Et si méchant. Hein? Parce qu'à cause de toi, j'ai connu ma femme. On a fait un mariage, tout ça là. Donc, tu la cherches, je vais parler, on dit, et si méchant. C'est normal. Non, c'est pas normal. Paul m'a dit que leur conseil de mettre fin à cette histoire. Vous êtes de très bons chanteurs, on ne joue pas avec une œuvre de l'esprit. Il n'est pas l'auteur, donc il faut poursuivre votre carrière et l'ignorer. C'est ce qu'il vous conseille, puisque vous dites que vous voulez l'envoyer maintenant en justice. Alors, on vous demande de l'ignorer carrément. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? On n'a pas de l'avoir. S'il joue encore sur vos chansons, vous l'envoyez en justice, est-ce que... Non, il fait expose à la justice. Non, c'est pas vous qui allez traduire. C'est pas nous. C'est pas nous. La loi. Nous expose au rigueur de la loi. Voilà, nous, on n'a rien à voir avec ça. Parce que la musique ivoirienne est régie par les lois. C'est pas nous. Alors, Armin, ma dernière question sur ce point-là. Ma dernière question. Aujourd'hui, en un mot, Mikou vous a fait du bien ou alors il vous fait du mal. Je veux dire, quand vous. Pour conclure sur cette affaire-là. C'est votre messie en griffe ou alors c'est celui qui vous fait du tort, c'est votre sorcier aujourd'hui. Mikou est notre fan. Notre premier fan. Donc ma question est de savoir si c'est votre messie ou votre sorcier. J'en viens. D'accord. Mikou, c'est que les gens doivent retenir. Il n'y a pas quelqu'un qui est fan de 100 façons que Mikou. Il faut que les gens sachent. Non, mais Mikou n'est pas fan de 100 façons. Je viens. Parce que tu ne peux pas être fan de 100 façons et puis manger tous les deux. Il a une organisation. Il est encadré. Tu comprends? Il est encadré. Mikou n'agit plus de lui-même. N'oubliez pas ça. Donc ça veut dire qu'il est Mikou est manipulé. Voilà, il est derrière l'appel maintenant. Il est manipulé. Ouais. Je ne sais pas s'il est manipulé ou pas, mais il agit sous les ordres d'un appel. Ah bon? Il sort deux managers. Voilà. Il a deux managers. Il a deux managers. Puis combien il est dans ses quatre? Ouais, il a des danseuses, il a des danseurs. Voilà. En tant que Mikou va pèser avant vous. C'est la grâce de Dieu s'il pèse. Tu sais, le succès, on décide de chanter, mais c'est Dieu, à Dieu appartient la célébrité. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, si Mikou a sa célébrité, on ne peut que dire merci à Dieu. Mais nous, on respecte le fait qu'il soit notre fan jusqu'à aller booster nos chansons. Pour cela, on lui sera. Jusqu'à ce qu'on arrête de chanter. Voilà. Mais on ne peut pas accepter que son image soit, il se propulse au détriment de notre image. Parce que nous aussi, on a une carrière, on a un album, on a des fans. Voilà. D'accord. D'accord. En fait, moi, c'est parce que j'ai des choses à dire, mais je suis à une émission, radio télévisée. Donc, on ne va pas rester longtemps sur le sujet. Sinon, moi, franchement, dit ce qu'ils sont en train de dire, moi, ça ne passe pas, en fait. Ça ne passe pas. Mais je ne sais pas, mais parce que je n'arrive pas à servir le mouvement, en fait. Peut-être qu'ils ont fait des gens qui se sont entendus en secret, ils ont des petits apprends, ils ne veulent pas nous expliquer. Non. Il y a la polémique de Facebook. Facebook a sa polémique. Mm-hmm. Et les artistes ont leur réalité. Mm-hmm. Non, on peut pas. Toi, tu parles de la polémique de Facebook. Moi, ce que je dis, c'est voilà, comme j'ai dit là, si on veut en parler, on va quitter ici. Voilà. Ramzi, il veut qu'on soit clair, c'est-à-dire qu'il veut, ouais, c'est-à-dire, il veut qu'on va trop au but, quoi, quand il fait une demande. Vous n'êtes pas content. Voilà. Parce que vous voulez montrer, l'émission par rapport, c'est comme ça. Ah, ouais. Vous voulez montrer aux mélomanes que bon, c'est qu'est-ce que bon, la loi et tout ça, mais vous n'êtes pas content parce que c'est pas le fait qu'il danse sur la chanson qui est le problème. Mais le problème, c'est que c'est votre chanson. Salut, aujourd'hui, vous êtes des artistes déclarés, vous êtes des artistes reconnus, vous êtes des artistes confirmés. Au Burida, quand on regarde l'album, la chanson est dessus. Ouais. Et même quand ça va aller en Europe, à la SACEM, c'est votre chanson. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il y a un problème où quelqu'un d'autre est arrêté sur un podium avec des danseurs, en train de danser sur la chanson. Ouais. Celui qui ne vous connaît pas va dire que c'est la chanson du monsieur. Oui. Voilà le problème en fait. Moi, c'est de ça que je parle, en fait. C'est pourquoi, en fait, je vous demande depuis quelle disposition vous voulez prendre. Parce que le truc, soit vous arrangez pour qu'il ne reste plus jamais sur cette chanson. Et le peu qu'il a eu, s'il peut se gérer avec, il se gère, mais il n'a eu plus l'argent avec. Il faut dire simplement, Mikou, nous-mêmes là, on lui demande pardon de venir
rester avec nous, nous-mêmes là. Ce qu'il a fait pour nous là, nous on sait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent de gauche à droite pour dire mais celui-là vous ne pouvez pas le taper à bois. Celui-là vous ne pouvez pas le faire comme ça. Non. Non. Voilà, tu comprends? Oh nous là, nous on n'est pas violents. Nous là, on s'est fait appeler sans façon, c'est nous qui façonnons, on ne nous façonne pas. C'est-à-dire que nous, on avait besoin de Mikou. Ce qu'il a fait, on ne peut pas le laisser tomber. Mais quand on lui dit qu'il ne veut pas nous écouter, c'est ça qui me fait mal. C'est comme c'est un frère, on essaye de tous s'entraider, mais qui ne veut pas. Qui veut partir seul, oui, sur nous, notre mouvement. Nous, quand on regarde là, ça nous fait un peu bizarre pour que les gens disent demain que non, Mikou l'a fait booster les mouvements, les gars ils l'ont jeté, ils l'ont fait comme ça. Nous, ça va nous faire bizarre. Oui, or, en réalité, on n'a pas l'envie, les tensions de laisser Mikou là où il est. Nous-mêmes, là, on veut aller partout, on veut passer là, nous, on veut partir avec lui. Parce qu'il a créé la danse. Il a apporté quelque chose. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il les agère. Aujourd'hui, quand on a besoin de Mikou, on dit non, voyez lui là. On l'appelle, nous, quand on l'appelle, il ne décroche pas. C'est-à-dire que pour la voix, il faut que nous, on appelle ses managers. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Ouais, c'est vrai. Sinon, nous, on n'a rien contre lui. On n'a rien contre lui. Alors, voilà qui est expliqué. Les mélomanes aujourd'hui, là, d'autres vont dire, oh, voilà, il a fait ça. Aujourd'hui, là, ils ne vont pas reconnaître, ils vont faire comme ça, Oh, nous, on reconnaît ce qu'il a fait pour nous. Nous, on le reconnaît. C'est pourquoi depuis, il fait des trucs, nous, on voit. Et puis, on regarde. Il faut dire que si c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on pouvait aller tout droit. Mais un enfant que tu as connu dehors, que tu as ramassé, tu as mis chez toi à la maison, tu l'as adopté. S'il a volé des 500, tu vas l'envoyer à la police. Voilà. C'est un exemple, je prends. C'est pour dire... Si c'était une autre personne qu'on ne connaissait pas, une tierce personne, ce que tu as dit là, on pouvait s'acharner sur lui. Parce que là, mais Mikou, nous, on n'est pas à notre premier succès. Vous connaissez, on a connu ça là, avec autant d'Adama Nathan, avec Bill Wallace, le handicapé qui a fait, on salue Bill Wallace, voilà. On a connu ça. Donc on connaît les revers de la médaille. Donc quand on regarde ça, on rit. Les gens veulent nous identifier avec nous. En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'il veut dire en fait que vers la fin, lui, où son buzz là, ça va finir, eux qui sont propriétaires de la musique là, ils vont aller beaucoup plus loin avec en fait. Bon, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va suivre votre actualité, on va vous suivre de près pour voir comment cette histoire là. Mais, à travers ce qui se passe, il faut que les autorités soient interpellées. Pour mettre fin à la piraterie. Parce que ça, c'est une sorte de piraterie. Et ce n'est pas sur nous. C'est aujourd'hui, ça fait grinver, ça fait couler beaucoup de salive. Tu vois, non? Et les artistes se sont levés. C'est plus sans façon. En fait, les gens ne voient pas. Oui, parce c'est plus au niveau des sans façon. Il y a beaucoup d'artistes qui. C'est plus au niveau des sans façon. Le Burita, même, il y a des gens qui nous appellent les juristes du Burita. C'est plus au niveau des sans façon. Il faut que les gens le sachent. Il faut que les autorités soient interpellées pour mettre fin. Parce que le show des Ivoiriens, c'est vrai. Aïtoulé, Godo Goumoua, Aïtou. Aïtoulé, Nameyo, Godo Goumoua, Aïtou. On est vraiment foutu. On ne sait plus de quoi sera fait le futur. Sur le progrès scientifique et ses conneries d'Internet menacent la production artistique. Ayeto Godo Gouma, oh, Godo Gouma, eto. Les artistes sont en danger, on regarde et personne ne dit rien. On ne prend pas l'art comme un métier en plein temps. On se dit quoi, c'est pour distraire, quand on finit de travailler, et nous distrait. Or, quand tu finis de travailler, quand tu viens te distraire, c'est là où on travaille. Voilà. La musique ivoirienne a connu une mutation. Les gens n'ont pas vu ça passer. Mais nous qui étions dans le bois sacré en ce moment, je prends l'exemple d'un arrangeur bien connu, qui a fait qu'on a duré même chez lui. Arrivé quand il était en train d'enregistrer notre album, il a laissé, il dit attendez. Puis il est allé s'imprégner, il a approché des gens pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la musique ivoirienne a connu des mutations. Aujourd'hui, le showbiz de 2009 n'est plus comme le showbiz de maintenant.
aujourd'hui, pour faire ta promotion, il faut inclure du bœuf. Hein? Ah, tout le monde ne peut pas créer un bœuf. Tu comprends? Tout le monde ne peut pas créer un bœuf. Il faut que les mélomanes se ressaisissent. Consommer la musique. Aujourd'hui, quand on écoute les gens qui disent oh, votre musique là, oh, tiens, la chanson là, on remercie le vieux père là, vraiment, une belle chanson qu'on allait passer quand il a perçu. Est-ce que vous voyez ce que ça signifie dans le showbiz? Une belle chanson qu'on allait passer, il n'a perçu. Vraiment, le vieux père, merci de me faire découvrir cette chanson. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des artistes talentueux qui restent au bord. Donc, à vous les hommes des médias, d'interpeller plus de... À vous aussi, hein, parce qu'au Burundi, on voit comment les artistes se battent entre eux-mêmes. Oui. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas vos propres sorciers aussi? Vous n'êtes pas unis déjà même entre vous? C'est tout comme ça, dans toute organisation, il y a, voilà, il y a une dualité. Il y a des dualités. D'accord. Voilà, la dualité, ça fait partie du monde. Voilà, on ne peut pas s'opposer à ça. Mais seulement que... C'est ça, je parle des autorités. On a des autorités. Non, mais c'est trop facile aussi de mettre ça sur les autorités. Les artistes aujourd'hui moi je comprends très bien ce que tu dis. Aujourd'hui, on est dans une situation où les artistes eux-mêmes se laissent guider par les pulsions des mélomanes. Alors que le mélomane, il est profane. Voilà. Le mélomane, il est profane, il ne comprend pas la musique en fait. Voilà. Je ne sais pas si on se suit. Dis-moi. Okay. Les gens disent que oui, par exemple, moi qui suis DJ, par exemple, qui suis DJ, c'est vrai que moi, ma chance, c'est que j'ai été DJ à un moment où le peuple de Ghana n'existe pas. Pour moi, le Zoubou, ça me parle. Le Yusumba, ça me parle. Toutes les musiques me parlent parce que moi, j'étais là à un moment où le peuple de Ghana n'existait même pas, où les DJ ne chantaient pas, en fait. Donc, la musique aujourd'hui, les gens disent oui, comme tu as dit, si tu ne fais pas le buzz, tu ne peux pas cartonner. Alors qu'il y a des artistes qui font pas le buzz, qui font de la très bonne musique. Ouais. Soumbil par exemple, est-ce qu'il a besoin de faire le buzz? Ouais. Pour que ça marche, il n'a pas besoin de faire le buzz. DJ Miske, le groupe des Galais n'a pas besoin de faire du buzz, mais tout le monde sait que DJ Miske est fort, il fait la bonne musique, tu vois. Donc aujourd'hui, il faudrait aussi que les artistes aussi éduquent ceux-là même qui les écoutent en fait. Et comme il a parlé des médias aussi, c'est important parce que souvent c'est dans les interviews. Nous qui sommes les animateurs, les journalistes, souvent on ne pose pas les questions qu'il faut poser en fait. Pour qu'eux aussi éclairent la lanterne des personnes qui sont profanes, qui regardent cette émission, mais qui écoutent ces émissions. Bien en fait. En tout cas, merci beaucoup pour ton éclaircissement. Et moi, ce que je veux vous demander, c'est aujourd'hui, est-ce que sans façon on veut se mettre dans le mouvement? C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez vu un peu ce que les réseaux sociaux ont apporté à votre chanson et aussi à l'album, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que c'est un album, ça va forcément donner un coup de boost à l'album. Est-ce que vous comptez rentrer dans le moule, c'est-à-dire profiter en même temps de la situation, faire ce que tout le monde fait, genre faire beaucoup de promotions sur Facebook, sur Instagram et tout ça? Avec votre staff, quelle politique vous avez décidé d'adopter pour rentrer dans le mouvement en fait? En premier temps, l'album. Aujourd'hui, notre priorité, c'est l'album. D'accord. Voilà. Un album de 15 titres dans lequel j'invite, par rapport auquel j'invite tous les mélomanes. Voilà. C'est un album qui est sorti de nos tripes. C'est un album qui est sorti de notre bois sacré. Pendant ce temps de retrait, on a réfléchi. Adama Nathol, l'album d'Adama Nathol, son double. Voilà. L'album, c'est ordre du jour. L'ordre du jour parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Peut-être que notre soleil va se lever à travers cet album. Ordre du jour parce que dans cet album, les sujets qui sont traités sont à l'ordre du jour. L'immigration clandestine, les conduites en état d'ivresse, l'infidélité. On invite tout le monde à déguster cet album. Il est dans cet album. Mais écoutez l'album, vous vous rendez compte. Oui, d'accord.
Non, moi je voulais leur dire merci d'être venu à cette émission-là. C'était un bonheur pour moi d'être aux côtés du grand Ramzi. Tout frais, il revient du Maroc. Non, pas fait pas. Je reviens du confinement. C'est vrai qu'aujourd'hui vous n'avez pas reconnu d'habitude Titi, mais aujourd'hui il défendait beaucoup du style artiste. On dit, faut pas. Parce que toi, t'es un artiste. On avait Ramzi là-bas. Et puis je suis content pour ça, façon, parce qu'il mérite plus que le buzz. Un peu négatif qui est sur eux actuellement, ils ont un talent et je sais qu'à travers cet album là, moi je vois ce verre là comme Dieu qui veut mettre sur vous la lumière hein, pour qu'on puisse consommer ce qui est derrière l'album de 16 titres hop du jour et on sera là pour accompagner quoi dans l'émission Zoudou Plus. Je puis dire que je serai là ce soir en direct encore aux auditeurs de 18h à 20h, on va parler de l'album de 100 façons. Super, super. Alors les gars, votre mot de fin, on va se séparer. Ah oui. On va dire merci. Disons merci à tous ceux qui nous écoutent, à tous ces mélomanes qui nous écoutent actuellement. Mais simplement, j'aimerais toujours dire, même de l'autre côté, un peu partout, quoi, tous ceux qui nous écoutent présentement, sachez que nous, on n'a pas de problème avec Mikou. On n'a pas de problème avec Mikou. Nous, on n'a pas de problème avec Mikou. Ceux qui veulent créer problème entre Mikou et nous, en tout cas, nous, on n'est pas là pour faire un bang-bang avec Mikou. Voilà. Nous, c'est sans façon, c'est nous qui façonnons, nous ne façonnons pas. Nous, on est dedans, il y a longtemps. Ah oui, c'est un Yabani, c'est-à-dire, tu vas dire quoi? Voilà. Comme il y a un proverbe qui dit, on dit, quand on doit être pourri, c'est toi-même qui le lapes. Voilà. On invite tous les mélomanes à faire profil bas. Voilà, de pardonner à Mikou, de pardonner à ce qui s'est passé. Et on a pris des décisions, les décisions légales par rapport à cette affaire. Et j'espère que son staff a bien appréhendé la chose. Ils vont respecter pour le bonheur de tous. Voilà. Maintenant, le dernier mot, c'est l'album. Vraiment, on les invite à déguster notre album. Voilà. En achetant cet album, ils nous propulseront encore plus. Ils n'ont qu'à acheter seulement. Le reste, là, Dieu va faire. Voilà, c'est tout. Alors, mesdames et messieurs, voilà qui est bien dit. Nous sommes à la fin de l'émission Fafa. Voilà, je profite aussi pour dire merci à toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous envoient des messages. Vous avez vu, on a fait aujourd'hui, comme on dit dans le Javon, on a magatapé. On a magatapé tout le monde. On a fait un direct à la radio, ça va aussi passer à la télé et tout ça. Direct aussi sur les différentes pages Facebook et tout. C'est comme ça, souvent c'est important. Avec le Daïré, souvent il y a la petite surprise. C'est important. Je profite pour saluer toutes ces personnes, comme je disais, au risque de me répéter, qui nous envoient des messages, qui nous soutiennent, qui nous disent oui, inviter tel artiste. Nous, on veut voir tel artiste s'exprimer par rapport à ceci, mais par rapport à cela. C'est comme ça. Enfin, ce n'est pas seulement une émission de polémique. C'est aussi une émission où il faut traiter de l'actualité du showbiz en Côte d'Ivoire et même si ce n'est pas le showbiz, des choses qui se passent concrètement dans le pays. Voilà, c'est important. Alors, j'étais avec M. Marcelin Tissoni, voilà, grand animateur de son état, voilà, qui m'a épaulé aujourd'hui dans l'émission. On est ensemble. Vous avez Soko Soko et William Santiago derrière les caméras. Vous avez Roland Lebelis qui est le réalisateur de cette émission. Vous avez Monsieur Jérôme Bitti qui est désormais voilà, mon conseiller au niveau de tout ce qui est fonctionnement de l'émission Fafa. Voilà, merci à tous. On est ensemble. Que Dieu nous bénisse et que Dieu accorde la santé à tous les enfants de ce pays. On est ensemble. C'était le dernier.